bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 4, évidemment Separate Ways, toujours accompagné de Ada Wong. Et je peux vous dire que on vient de rentrer dans le château et je suis extrêmement hype de voir toutes les cinématiques qu'on n'a jamais vues, qu'ils ont rajoutées évidemment pour le lore. On a fait un petit peu de troc avec notre vendeur préféré. Et on a pu récupérer le pistolet qu'il faut, le Red 9, évidemment. Il y a une petite pierre que j'avais pas vue ici en venant. Cette pierre qui permettrait, vous l'aurez compris, d'ouvrir une porte. Souvenez-vous, on l'avait vu avec Leon. Et à gauche, je crois qu'il y avait des gens pas très, très, très gentils. Il m'a pas vu? Il m'a pas vu. C'est incroyable. Okay. Bon, on se permet de checker quand même la carte. On n'a rien loupé. Ok, qu'est-ce qu'il murmure? Mais qu'est-ce que tu racontes, putain de merde? Oh, ils sont terrifiants, j'adore. Ils sont terrifiants, j'adore. Yeah! Ok. Attendez. J'utilise quel couteau, là? Parce que j'ai l'impression que... Est-ce que mon couteau... Non, 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 c'est ça que je veux... Ouais, non. On va utiliser... On va finir celui de cuisine, quand même. Ils sont terrifiants. J'adore cette ambiance. Cette ambiance, les amis, est juste folle, en vrai. Vous en pensez quoi? T'as pas envie d'y être, mais cette ambiance est juste folle. Oh... Attends, on est de l'autre côté du mur, là. Je comprends pas. Ah non, c'est une autre énigme. On l'avait jamais vue. Qu'est-ce que c'est? Utiliser. Ok. Faire pivoter. Très bien. Ah oui, d'accord. Wow. Ok. Je pense qu'on est bon. Je pense. Ah bah non. Attendez. Ok. Alors, attendez. Très bien. Ça, ça va là, déjà. Ok. Ça, c'est forcément ce côté-là. Ça va là. Ça, ça va là. Et ça, donc, par conséquent, c'est ici. Bon, très logique. Simple, évidemment. Resident Evil 4 n'a jamais été très fouillu niveau énigme. Les premiers Resident Evil étaient quand même bien plus chauds. Mais vous savez ce que ça me donne envie? Ça me donne envie de replonger dans Resident Evil 2, le remake. Qui était juste fou. C'est un rat ou un hérisson, mon frère? Il est énorme. T'es mal à taille. Oh, j'ai eu peur. Le premier ingrédient doit être dans cette pièce. Et pas à moi, hein. Ça là, ça là. Ça pas moi. Hein. Oh non. Oh mais écoutez juste, j'adore. Je suis désolé mais j'adore. Quand t'entends juste, tu vois les petits trésors, la musique très discrète, mais qui fait parfaitement le taf. Les décors, l'éclairage, je suis désolé. Écoutez, c'est quelque chose. Non mais vraiment, merci Capcom d'avoir transcendé le jeu vidéo, le survival horror, avec des jeux comme celui-ci, parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Et attention, l'ambiance des anciens était aussi incroyable, réelle. Hein. Réelle. Hein. Sur PS1, tu te calais, il y avait les musiques très, surtout dans Resident Evil 2, hein, dans le commissariat. Ça m'avait traumatisé à quel point l'ambiance était folle. Qu'est-ce que c'est? Ok. Au cas où quelqu'un aurait besoin d'encre, il suffit de tirer. Giulio. Giulio! Au cas où quelqu'un aurait besoin d'encre. Ok. Il suffit de tirer.
Ah, oh. C'est une bêtise là? Attends. Mais ça a l'air inversé. C'est totalement inversé. Ok. Tout en haut à gauche, celui en diagonale, et tout en haut à droite. Attends, je re-regarde encore. Ah non, mais il y a un ordre. Donc... en diagonale... c'est peut-être nul. Oh putain, c'était là, non. C'est, attends, il y a un monde où c'est super nul ce que je fais. Il y a un monde où c'est moi qui suis fou. Ou c'est le monde qui est fou. Eh ben, j'étais pas fou. Eh bien, j'étais pas fou. C'est sûrement l'encre. Je n'étais pas fou. Je te conseille de ne pas bouger, Léon. Ce serait bête d'utiliser ça, pas vrai? Eh ben, après 6 ans, j'aurais espéré un meilleur accueil. Ada. T'as pas l'air surpris. Intéressant. Et c'est le couteau la prochaine fois. C'est mieux pour le corps à corps. Pas mal du tout. Tu m'impressionnes. Alors tu travailles pour qui cette fois? Oh, Léon. Tu sais bien que je vais pas te répondre. Laisse la fille. Il est trop tard pour elle. Va-t'en maintenant. Et qui sait? Avec un peu de chance, on se reverra. Et tu auras peut-être l'accueil que tu espérais. Tu crois que je vais abandonner si facilement? Je vois. Et si on continuait cette discussion une autre fois? Ok, ok, ok. À plus tard, Léon. On l'avait déjà vu, hein, évidemment. On l'avait déjà vu, cette cinématique. Superbe. Ça nous remet un petit peu dans le bain. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Rien. Superbe. Oh, on va aller dans la salle principale. Alors là, c'était quelque chose. J'espère qu'on va pas revivre la bibliothèque. Hein. Oh, la bibliothèque, c'était quelque chose aussi, je vous le dis. Hein. Ça va que là, c'est pas Ashley. Ok... waouh. Le château est vraiment trop trop bien étudié quand même. Ah, il y avait le feu à mettre ici. Ah ouais. Ok. Bon. Il va y avoir un petit peu embrouille dans la street. Tu le sais, je le sais, on le sait tous. Ah! Waouh! Le même symbole sur le gong et le fort. Rien de compliqué. D'accord.
Le triplé, c'est quoi? Le serpent. Attendez, je l'ai pas. Il y a un piège ou c'est comment? Ah oui. Bah écoutez, on va se faire un petit plaisir. On va crafter. Hop, ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. Ok. Et là, c'est les trois corbeaux qui inspirent. Toi-même, tu sais, des choses pas très jolies. Ce couloir. Pourquoi? Mais je le sens mal. Ce couloir est terrifiant. Je le sens très mal aussi. Ah. Qui a imaginé ce truc? Cette merde. Oh. Oh. C'était terrifiant ce piège. Il n'existait pas, hein. Je vous assure qu'il n'existait pas. Ok. Bon, allez, c'est parti. C'était quelque chose. Les amis, la porte est ouverte. Okay. Maintenant, le deuxième ingrédient. Et n'oubliez pas, le j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Franchement, beaucoup d'entre vous ont mis des commentaires incroyablement... incroyables, oui, je me répète. Parce que vous êtes adorables, certains. Voilà, il faut le dire. Ok. Ok. Ça sent le piège, ça sent la magouille. Boussole ancienne. Classique dans le milieu de l'exploration. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il manque quelque chose. Ouais, il manque quelque chose, je suis d'accord, il manque quelque chose. Je connais pas cette pièce, moi. Je marche doucement, mais. Oh waouh! Oh non, ça sent la douille. Hein. Ça sent la douille. Un petit cadeau. Oh waouh. Je suis à sec. Allez. Il a eu sa dose. Maintenant. Oh wow. C'est... Oh wow. Ok. Net et sans bavure. Il y a de la bavure. Ok. Ok. Je déteste ces soldats. Parfait. Parfait, tout est relatif. On sait jamais. Peut-être quelque chose à pop, tu vois. Oh. Oh, tu le sens? Tu le sens arriver, celui-là? Waouh. Ah, quel dommage. Attends, vraiment là? Ok, ça ressemblait là où il y avait des petits secrets, pourquoi pas. Petits secrets entre amis. Ok.
D'accord. Bougez pas parce que le doute m'habite. Socle en pierre, c'est ça là qui est genre un truc en mode c'est un secret là? Ah non, c'est un événement. Très bien. Bon bah écoutez, allons vivre cet événement tous ensemble. Droite ou gauche? J'ai pas le choix. Très bien. Pourquoi pas, ma foi. Je crois savoir ce qui m'attend. Oh, excusez-moi, mais c'est infernal. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Rien. Ça. Oh, putain, on peut rien en faire. Ok. Très bien. L'ambiance est particulière. Putain, c'est trop bien. On fait trop de nouvelles salles qu'on n'avait jamais fait. En fait, là, ils ont vraiment pris le soin de faire un très beau truc. Bingo. C'était gratuit! Il y en a un autre. J'ai juré, il y en a un autre. C'est trop. Mamma mia, here we go again. Yeah! Je me vise en plein cœur. Ok, toi. Hop, ça au moins c'est fait. C'est pas vrai, je peux être aussi nul que moi. Oh. C'est dur, hein, les frères. Hein. Je vous jure que là, vous jugez, je suis sûr. Pas vrai, mon frère. C'est pas vrai! Dégagez! Ça, je prends. Mais c'est pas vrai! Oh là là, je suis la salope ou quoi? Oh frère! Je vais péter un crâne. Oh non, je suis vraiment la salope du groupe. Non, non, c'est trop. C'est trop. Ah,
Oh là là, désolé les gars, mais... C'est trop! Frère! Y'en a pas un qui meurt nulle part! J'ai perdu trop de choses. J'ai perdu la vie, les frères. Oh, j'ai perdu la vie dans ce combat, hein. C'est... Oh, waouh. Oh, mais récompensez-moi, là. J'en ai marre, hein. Vraiment, hein. Là, j'étais la salope du groupe, hein. C'est quoi, ça, frère? C'est une manière d'accueillir de belles demoiselles comme moi? Ouais, je vais faire un dernier tour au cas où. Ah non, mes couilles, hein. Mes grosses couilles. Ouais, non, c'était terrible, ça, hein. Waouh. Ah, c'est pas grave, hein. Ok. Allez, on est reparti. C'était infernal. Ok. On est mieux, là. Ok. L'ambiance okay. Très bizarre. Plus qu'un à trouver. Ouais, plus qu'un, c'est ça, ouais. J'ai de nouveaux articles. Oh, tu m'as fait trop peur. Tu m'en diras des nouvelles. Ok. J'en peux plus de ces médaillons bleus qui pendouillent. Les voir me rend malade. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Ils vont nous porter la poisse si on les laisse là. Détruire tous les médaillons bleus dans la cour. Ça va être terrible, ça. Bienvenue. Ok. Hop, l'échiquier, tout ça, c'est pas grand chose, hein. Une affaire bien pas grand chose pour ce que j'ai pris dans la gueule. Hein. En vrai, les amis, il me faut bien ça. Hein. Et c'est ça, franchement. Tout dans le pistolet, hein, rien à péter. Hein. C'est pas mal, 6 Spinel. Il me faut ça. Très mal. Il me faut ça et. Et comme ça. Hop, je vais pouvoir sortir au calme. Très bien. Nova, bienvenue. Ok. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Une affaire bien conclue. Et voilà. Comme tu l'as voilà. Est-ce que je peux t'aider pour autre? Elle va pas te faire tuer, hein? Bon. Pistolet, c'est quand même la règle d'or. Ok, on peut descendre ici. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Ok, Louis. Et de deux. Le dernier est dans une salle accessible depuis les remparts. Apporte-moi tout ça en haut de la muraille. Et je te donnerai ton arbre. Oh. Et j'ai aussi récupéré quelques infos sur ce caillou. Je te les envoie. Ok. Salut, étranger. Attends, Bibiche. En vrai, on va save. On va save, ça me paraît plutôt osé. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a en bas? Moi, vous savez que je suis une petite curieuse. Mais je suis con, je suis 2B. Mais c'est pas possible d'être aussi con, putain. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle branle, elle est con. Tu trouveras certainement quelque chose qui ouais, te ouais, ferme-la, fous-moi la paix. Je suis assez énervé comme ça. Très bien. Il y avait un trésor, là. Hein. Il y avait un tiroir verrouillé et j'ai utilisé mes spinels. On est d'accord, j'ai plus de spinels. I got a spinel. Ok. Herbe verte, j'adore l'herbe. Ok. Très bien. Attends, il y a des petits poissons là. Ou Lyon, il a tout graille comme un bâtard. Il est énorme, frérot. Je fais quoi avec ça? Attendez, comment ça? Comment ça? Pistolet quand même. En vrai. Ok, ça suffit toujours pas.
pistolet encore. Très bien. Après, je crois que ça se revend cher, hein. Mais là, vu la difficulté du jeu, moyen serein, les gars, hein. Mais je crois que ça se revend cher. On va aller voir. Après, ça sera soit du heal, soit du skill. Il me semble que c'est pas donné un gros poisson. C'est comme l'œuf d'or, hein. L'œuf d'or, c'est quelque chose. Je suis peut-être bête de l'avoir consommé en vrai. Mais j'ai paniqué. Si tu veux. J'ai paniqué de fou. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Pendant 1400, j'étais américain, excusez-moi les gars. Excusez-moi, j'étais totalement américain. Ok. Allez, re-bienvenue dans cette cour. Ok. N'oubliez pas qu'il y a les clébards ici. Oh. Un clergé, putain. Lui fait des invocations. Il transforme les gens en méchants. Tu pouvais pas juste me laisser passer. Ah, cette fois. Ah. Gloria l'asplor. Comment ça? Comment ça, mon gars? Je le poursuis. Comment ça, mon ref? Je suis à sec. Hop, cascade. Ok. Ok. Voilà. Avec ça, je vais pouvoir continuer. Là, j'en ai marre, en fait. Je prends tout le monde sans hésitation. Ok. Ok. Oh, j'arrive, mon frère. Ça va ou quoi? C'est fait. Ok. Plus de peur que de mal. Là, qu'est-ce qu'on a? J'adore ce labyrinthe. Ouais, on a fait trop peur. Je voulais voir juste s'il y avait un autre petit Ouais. C'est chiant. Bon. C'est vraiment chiant. Où sont les autres? Ok. Normalement, d'ici, je vois deux choses accessibles aux snipers. Non? Voilà. Si. Et où est l'autre? Il est censé être par là. Sûrement à l'intérieur. Bon, écoutez, on va le faire. Et on va les save. Waouh, cascade. Attends. Là, non. Il est pas là. Mais where is it? On va passer par là. Salut à tous. Ok. Très bien. Et où est l'autre? De l'autre côté, sûrement. Ok, superbe. On y va alors.
Ok. Il est là. Superbe. Et il en reste sûrement un seul. D'accord, je vois. Là, on a quoi, là, par exemple? Que dalle. Et par contre, de l'autre côté, on a quelque chose. Ça, c'est cool. Ah, waouh. Là. Comment? Attends. Oh, je veux tout récupérer. Moi, je suis un dalleux, les gars. Je suis un putain de dalleux. Ok. Là, je comprends pas. Hein, c'est derrière encore. Waouh. Waouh. Attends, frère. On a vu. Ok. Et là, c'était tout derrière. C'était là. Superbe. Je crois que c'est bon. Parfait. Là, on a quoi? Oh. Oh. J'aime bien. Bon bah écoutez, on va faire ça dans le prochain épisode. On a refouillé tout le labyrinthe. On n'a plus rien laissé pour le frérot. Léon, il n'a plus qu'à se démerder, hein. Oh ouais, ouais, on va vraiment tout prendre. On va faire les rats. Point trop d'infos, personne m'en voudra de toute façon. Ok, ça c'était les clébards là-dedans. Ok. Là on a quoi? Ok, on n'a plus rien ici. Et là, on va tout faire à Yep, au calme. C'est vrai que le grappin, pour le coup, c'est très utile. Mais on passe à côté de milliards de choses. Et encore, milliards, c'est un euphémisme. Allez, regardez-moi ça. Eh ouais, ça me disait rien, ça. Regarde-moi ça. Ouais, ça me disait rien, ça. Bon, vous savez que si nous régale en munitions, c'est que... Il va y avoir une phase comme avec les pro-chevaliers, là, de mes couilles. Et ça risque d'être assez terrible. Et très angoissant qui plus est. Ok. Oh, les gars, on a vraiment fouillé comme on pouvait. Là, on est plutôt bien. Il est temps de retourner voir le vendeur qui était... Il était où, le frère? Il était derrière. Les amis, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 4. Bisous tout le monde, quel bonheur de retourner dedans. Bye bye. T'es chargé d'une requête.